Bonjour Monsieur Blanquer. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir ici au ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en gros, depuis 2017. On est dans cette interview d'entre deux tours. Vous avez accepté de répondre pour le président de la République, Emmanuel Macron, et Julien Odoul, de son côté, a accepté de répondre et de représenter Marine Le Pen. Bonjour Julien Odoul. Bonjour. Vous êtes porte-parole Rassemblement National et vous êtes élu de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous acceptez de répondre à notre interview duo avec Jean-Michel Blanquer. Je vous pose les mêmes questions qu'à lui, vous devez répondre en 15 minutes. Vous le connaissez, Monsieur Odoul? Non, je ne l'ai jamais vu. J'ai observé qu'il avait changé de parti dans sa vie et j'espère qu'il rechangera. Est-ce que vous connaissez Jean-Michel Blanquer? Oui, très bien. J'ai un avis, c'était un bon ministre au début. En tout cas, il avait une bonne réputation par rapport à un gouvernement qui, il faut bien le dire, n'était pas brillant. Et puis ensuite, il y a eu quelques mésaventures, notamment à Ibiza. Et puis surtout, il a suivi une politique qui est contraire aux intérêts à la fois de l'éducation nationale et puis de la France, tout simplement. Un mot, selon vous, pour définir le quinquennat qui vient de se dérouler? Liberté. Pourquoi? Parce que c'est au cœur du projet politique depuis le départ, c'est-à-dire la maîtrise du destin de chacun. C'est finalement au cœur du projet d'Emmanuel Macron depuis le début. C'est-à-dire comment, notamment par l'éducation, la formation, le travail, chacun peut maîtriser sa destinée. C'est vraiment un vrai projet politique de liberté, de maîtriser son destin. Mais c'est aussi la maîtrise du destin collectif, c'est-à-dire la souveraineté de la France, la force de la France dans une Europe forte. Parce qu'on sait bien que c'est un enjeu à l'échelle du monde que de réussir cela. Et donc maîtriser notre destin individuel, maîtriser notre destin collectif, à mes yeux, ça se résume par le mot « liberté ». Un mot, désastreux. Désastreux parce qu'on a tout eu. On a eu un quinquennat extrêmement heurté, bouleversé, avec beaucoup de violence, à la fois physique, sociale, beaucoup de trahison, il faut bien le dire, et beaucoup de déconstruction. Donc c'est vrai que c'est 5 ans pour rien pour la France, pour les Français, qui ont été, il faut bien le dire, assez maltraités par le président Macron. Un mot pour les 5 années qui sont devant nous? L'espérance. L'espérance d'un quinquennat bleu marine, donc un quinquennat tricolore, un quinquennat de justice sociale, un quinquennat de sécurité, de pouvoir d'achat, un quinquennat surtout où les Français auront une présidente qui les aime et qui les respecte. Fraternité. La France a besoin de qu'on s'aime davantage les uns les autres. Il y a trop de tensions, trop de difficultés à accepter le point de vue différent, pas assez de nuances aussi. Et donc il faut contribuer à ce que dans le débat public, il y ait cette fraternité. Très bien. Là, on est dans une période d'entre deux tours. On l'a dit, il va y avoir un débat la semaine prochaine. Les médias, ça a une grande part en ce moment dans les débats publics. Est-ce que c'est au candidat de choisir le journaliste qui va les interviewer selon vous? Non. Je pense pas. On entend les bruits comme quoi le président de la République, Emmanuel Macron, président en sortant, serait opposé à Anne-Sophie Lapix, et pareil d'ailleurs pour Marine Le Pen. Non, après, sur l'organisation du débat de l'entre-deux-tours, il a des particularités. Depuis longtemps, ce débat-là est très très cadré, ce qui est normal, que ce soit sur le temps, sur la manière dont les choses se passent, parce qu'il a une telle importance pour le pays qu'il est normal que les deux candidats convergent sur des conditions. Donc ce débat-là, il est un petit peu particulier. Oui, Anne-Sophie Lapix, je pense que tout le monde l'a vue à l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle est partisane, elle est même anti-RN revendiquée. Quand elle avait animé Élysée 2022 avec Marine Le Pen, tous les téléspectateurs avaient vu qu'elle était derrière à faire des grimaces. Elle n'est pas neutre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué dans un débat aussi important que le débat de la présidentielle, où les deux candidats doivent être les plus à l'aise, où ils doivent se confronter leurs idées, montrer leurs projets aux Français. C'est compliqué quand les présentateurs ne sont pas neutres et quand il y a déjà un antagonisme avec les candidats. Donc c'est normal, je pense que les candidats s'accordent à la fois pour les modalités, la distance, la température. C'est normal que les candidats choisissent les journalistes? Oui, je pense, oui. Pas choisissent, mais je veux dire s'accordent sur les journalistes qu'ils ont envie d'avoir pour un moment aussi important, parce que c'est la dernière étape avant le second tour de la présidentielle. La liberté de la presse dans tout ça? Vous savez, la liberté de la presse, avec Emmanuel Macron, on est 34e au classement de la liberté de la presse, derrière le Ghana, il me semble. Donc c'est vrai que je pense qu'on n'a pas de... Il y a certes des améliorations, mais je veux dire, pour ce qui est du débat, qui est un moment très particulier, je pense que c'est normal que les deux candidats s'accordent sur les deux présentateurs. Si Emmanuel Macron est élu président de la République, réélu président de la République le 24 avril prochain, vous vous voyez où, vous? Alors, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'il soit réélu. Oui. Et puis ensuite, qu'il compose un gouvernement qui correspondra à ce qu'il estime être le mandat politique qui est le sien. Et donc, j'entrerai ou pas dans ce schéma. Mais ce sera une conséquence, pas une cause. Vous en avez envie ou pas du tout?
C'est un immense honneur de servir son pays. Je suis très heureux d'avoir servi pendant 5 ans. Ça a un coût, hein, c'est physiquement quelque chose. Il y a évidemment des devoirs forts qui sont attachés à cette charge. Mais l'honneur que l'on a de servir son pays est quelque chose de très fort. Et je souhaite à tout le monde, que ce soit en étant maire d'une commune, en étant conseiller municipal, en étant délégué de classe, mais à tout le monde d'avoir cette chance de servir l'intérêt général d'une façon ou d'une autre. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République le 24 avril prochain, vous vous voyez où, vous ? Ben, je me vois à ses côtés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire... C'est une réponse de Normand, ça. Non, mais d'accord, mais où vous, on y réfléchit forcément. Non. Alors, je participerai évidemment à ce quinquennat, d'une manière ou d'une autre, parce que je suis à ses côtés depuis 8 ans, parce que je suis engagé dans le combat national et je serai engagé avec elle pour le redressement national quand elle sera présidente. Mais je n'ai pas d'idée de place, de poste. Très sincèrement, ça ne m'intéresse pas, vraiment. Je vous ai dit au début, c'était pas trop long, 5 ans. Vous pourriez faire 5 ans encore à l'éducation nationale ? Je peux le faire. Vous pouvez le faire. Sur le plan physique, j'en suis capable. Et je ferai ce que le président souhaitera, mais c'est pas une revendication de ma part. Je vais vous montrer des photos. La première photo que je vous montre, c'est celle-ci. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Ça me dit quelque chose, bah c'est... non. C'est... Jean Lassalle qui fait des chèques. Ouais, pour, le coup de com' de Jean Lassalle. Le coup de com'. Oui, c'est un coup de com', on connaît Jean Lassalle, voilà, pour faire parler de lui. Je trouve qu'il a fait une très bonne campagne. Il a fait plus qu'Anne Hidalgo, déjà. Enfin, qui n'a pas fait plus qu'Anne Hidalgo ouais. Mais j'aime beaucoup Jean Lassalle. Je trouve qu'il a un discours qui parle, notamment la ruralité, la France des oubliés. Et là, bon, ce petit coup de com' pour... Vous ne donnerez pas d'argent, vous, aux autres partis qui n'ont pas réussi à faire 5%? Non, c'est la démocratie. Voilà, il y a des règles du jeu. Il y a des partis, vous savez, le Front National à l'époque a aussi été en difficulté quand il a fait des scores, bien moindres qu'espérés aux élections. Bon, bah, c'est le jeu. C'est le jeu. D'accord. Vous feriez un chèque, vous, pour les soutenir ou pas du tout ? Il y a tellement de causes à servir que peut-être je ne la mettrai pas en tête, mais je peux comprendre que l'on soit solidaire de ces candidats et c'est noble de faire cela, oui, bien sûr. C'est une dernière photo, Jean-Luc Mélenchon, son discours. Il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Vous le comprenez comment, vous, ça ? Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à le comprendre le mieux possible, c'est-à-dire je traduis par « il faut voter Emmanuel Macron ». D'accord. Mmh. Ça va peut-être dire aussi « il ne faut pas voter ». Ou voter blanc. Je veux croire que chacun interprétera en responsabilité que si on dit qu'il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit présidente de la République. Et si on ne veut pas qu'elle soit présidente de la République, c'est évident qu'il faut voter Emmanuel Macron. Ce sera le cas de certaines personnes qui le feront pour cette raison, nous en sommes conscients. Mais bien sûr, pour aussi des millions de gens qui vont voter pour lui parce qu'ils ont envie d'Emmanuel Macron comme président. Qui dit oui, s'il ne faut pas donner une voix à Marine Le Pen. Ça veut dire quoi ? Vous comprenez comment cette phrase ? Vous la comprenez comment cette phrase ? Mélenchon, j'ai pas envie de le comprendre parce que lui, on sait qu'il est hostile historiquement et viscéralement à tout ce qu'on représente. Bon, on a des lignes de fracture. Notamment sur le communautarisme, sur la créolisation, tout ça. Pour autant, ces électeurs, on peut se rejoindre sur la dimension sociale, sur le pouvoir d'achat, sur le référendum d'initiative citoyenne et surtout sur la volonté de ne pas poursuivre le quinquennat de Macron. Donc moi, j'appelle ces électeurs à faire le choix de la raison. Une abstention, c'est une voix pour Macron. Un vote Marine Le Pen, c'est un vote contre Macron. Selon vous, trois thèmes de campagne qui sont importants dans ces deux semaines qui arrivent entre deux tours ? L'éducation, évidemment, je vous le cite en premier, parce que je considère qu'il faut 10 ans pour transformer le système éducatif et qu'on a fait une bonne moitié du chemin, avec notamment la transformation de l'école primaire, le renforcement des savoirs fondamentaux, qui était la priorité, le dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire. Ça concerne 350 000 enfants par an. Et on doit transformer l'essai pour réussir ce que nous voulons, c'est-à-dire des élèves qui, notamment en français et en mathématiques, sont au niveau aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très important qui doit se poursuivre, notamment vers le collège, le lycée professionnel aussi, qui a déjà connu une réforme, mais qu'on peut pousser davantage dans les temps qui viennent. Donc l'éducation est évidemment centrale. Pouvoir d'achat, la sécurité et puis la santé. Je pense que c'est les trois thèmes qui sont dans le cœur des préoccupations des Français. Après, vous avez d'autres sujets qui sont très importants. Les sujets de sécurité et de justice sont évidemment très importants parce qu'ils correspondent aussi au quotidien des Français. Et puis en troisième lieu, un mot-clé, c'est le mot travail. La valeur travail a besoin de reprendre toute sa force dans le monde entier après la crise sanitaire que nous avons vécue.
Ça passe par le plein emploi qui est le grand objectif qu'a fixé le président pour le deuxième quinquennat. On a essayé de chercher un point commun entre vous et Jean-Michel Blanquer. On lui a dit, il n'y en a pas beaucoup, il a dit oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a les cheveux. Pas les cheveux, voilà, si vous voulez. Mais il y en a un qui ressort, c'est quand même, enfin, c'est pas contre vous, mais c'est en ce moment, c'est aussi un débat sur le voile. Vous, c'est dans l'espace public que vous voulez interdire le voile au Rassemblement National. Oui, tout à fait. Dans l'espace public, parce que nous considérons que le voile n'est pas seulement un vêtement, c'est pas seulement même un signe religieux, c'est un emblème politique, celui de l'islam radical, qui s'en sert pour avancer dans l'espace public, pour même coloniser l'espace public, pour faire pression et pour montrer voilà, qu'il est omniprésent. Donc il faut évidemment non pas s'en prendre aux Françaises de confession musulmane qui, pour certaines d'entre elles, le portent de manière anodine et pacifique, soit par tradition, soit par culture, et qui ne comprennent pas pourquoi finalement ça pose problème. Sauf que ce voile, aujourd'hui, est entre les mains des ennemis de la République, des ennemis de la France, qui l'utilisent pour imposer à toutes les autres femmes. Parce que, bien sûr qu'il y a des femmes qui le portent tranquillement, pacifiquement, mais il y en a d'autres qui sont imposées, qui on impose le port du voile, qui sont soumises à la loi religieuse, au radicalisme, et il faut, pour les préserver, pour les protéger, il faut interdire ce voile dans l'espace public pour ne pas qu'il soit visible. Après, la pratique de tous les cultes sera évidemment tolérée et libre. Vous êtes contre le voile ? J'ai toujours été pour la liberté, bien sûr, sur la voie publique, chacun peut se vêtir comme il veut, sauf des sujets extrêmes comme le voile totalement intégral qui fait déjà l'objet d'une loi d'interdiction. Non, c'est tout le sujet en la matière est celui de la neutralité des services publics. Et sur ce sujet, le président de la République a toujours été très clair aussi. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, par exemple, ou quand on sert un service public, on ne doit pas avoir des signes religieux ostentatoires. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot « liberté » était un mot-clé. Il est évident que ce soit sur ce point ou sur d'autres, la liberté dans l'espace public, c'est extrêmement important, tant que ça ne touche pas la liberté des autres. Donc c'est ce critère-là que nous devons avoir. La kippa, vous ne voulez pas l'interdire dans l'espace public ? Non, parce que la kippa... Mais donc il y a un déséquilibre, non, vous vous rendez bien compte ? Non, pourquoi ? Parce que la kippa n'est pas un emblème politique. Il n'y a pas de problème politique avec la kippa. Oui, pas un emblème, c'est un signe religieux, malgré tout, comme le voile. Non, parce que le voile, aujourd'hui, n'est pas seulement un signe religieux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le voile, c'est véritablement l'étendard de l'islamisme, qui s'en sert de manière visible pour dire cette idéologie se développe pas pour tous. Et on va l'imposer. Pas pour tous, c'est une minorité agissante qui, malheureusement, et on le voit dans les quartiers, les jeunes filles sont de plus en plus soumises au voile ou se l'imposent elles-mêmes parce que c'est le poids de la communauté. Mais peut-être qu'il faut lutter d'une autre façon. Il faut prendre des mesures. L'interdiction du port du voile dans l'espace public, c'est l'une des mesures. C'est pas la mesure, c'est pas l'alpha et l'oméga. Et vous savez, si toutes les mesures fonctionnent, si on arrive à fermer, et Marine Le Pen le fera avec fermeté, tous les lieux de culte radicaux, si on arrive à expulser tous les imams radicaux, si on arrive à interdire toutes les idéologies de la haine, peut-être que l'islamisme disparaîtra et qu'à un moment donné, l'interdiction du port du voile ne sera plus d'actualité. Pour terminer, on va faire un jeu qui s'appelle « Qui est le plus ?». Je vais vous donner plusieurs adjectifs et vous devez me dire qui est le plus selon vous. Souvent Emmanuel Macron, je suppose, mais on va voir. Selon vous, qui est le plus de gauche ? Alors, je pense que dans les deux cas, et de manière très différente, ils ont dépassé le clivage gauche-droite. Pour moi, la gauche, ça signifie plus rien. Donc, je vous dirais spontanément Emmanuel Macron, parce qu'il en vient de la gauche, parce qu'il a travaillé avec François Hollande. Mais aujourd'hui, politique de gauche, politique de droite, ça signifie plus rien. Aujourd'hui, qui est mondialiste, qui est national, qui croit en la France, qui n'y croit plus ? Là, le clivage, il est clair. Donc, je dirais, Macron l'est le plus, mais ça ne veut plus rien dire. Qui est, selon vous, le ou la plus apprécié ? Marine Le Pen, incontestablement. Emmanuel Macron, oui. D'accord. Vous ne croyez pas qu'il est un peu détesté, quand même, Emmanuel Macron, quand on le voit sur... Il ne laisse pas indifférent. Il ne laisse pas indifférent. Il y a, les deux candidats ont ça en commun, d'ailleurs. Mais il y a évidemment des gens qui ne l'aiment pas. Mais ça, je crois que moi aussi, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Et on peut être la plus appréciée et perdre l'élection, quand même ? Après, je pense qu'elle la gagnera. Mais oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Qui est le plus écolo des deux ? Marine Le Pen. Marine Le Pen, parce qu'elle a la seule politique véritablement écologiste, c'est-à-dire pas du verdissement, pas d'idéologie, mais c'est le localisme. Produire, recycler, retraiter, consommer près de chez soi, c'est-à-dire sortir l'agriculture des traités de libre-échange, c'est-à-dire arrêter avec les arnaques idéologiques comme les éoliennes, c'est-à-dire défendre la nature,
préserver la biodiversité. Voilà, c'est le projet de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, très clairement, on le voit sur le thème des énergies renouvelables, par exemple, hein, pour lequel Emmanuel Macron a là aussi fait un « en même temps énergétique » qui est la seule voie. C'est-à-dire une promotion du nucléaire civil, bien sûr, mais aussi des énergies renouvelables, que ce soit solaire, éolien, etc. Et on sait que c'est ce mixte énergétique qui va nous permettre de traverser les prochaines décennies, à la fois en satisfaisant nos besoins en énergie, qui sont réels, et en même temps en allant vers l'objectif très fort d'être le premier pays en 2050 à avoir un bilan carbone neutre. Il est un peu déçu, Emmanuel Macron, au niveau de l'écologie. Mais on n'en fait jamais trop ou jamais assez sur ces sujets-là. Et c'est normal qu'on demande de faire plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, plus. Mais il ne s'est pas rien passé. Selon vous, qui est le plus féministe ? Emmanuel Macron. Il a mis la question de l'égalité homme-femme comme cause nationale du premier quinquennat. Il a dit que ce serait une cause du deuxième quinquennat, la cause du deuxième quinquennat. Mais ça, il a fait beaucoup. Pour vous, c'est pas un échec, ça veut dire que ce sera la cause aussi du deuxième quinquennat. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à la faire pendant 5 ans, on va reprendre. Non, il y a plusieurs sujets comme ça. L'éducation en fait partie, où évidemment la route est longue, forcément. Regardez la question des violences faites aux femmes. Il était extrêmement original en 2017 de pointer ça comme étant un sujet de société central. Parfois, certains même se moquaient de lui d'avoir mis ça comme étant un sujet politique, parce qu'il l'avait vu dans le cadre de sa consultation de ce qu'on appelait la longue marche à cette époque. Eh bien, depuis, plus personne ne sourit là-dessus. Tout le monde voit bien que c'est un énorme sujet de société et que par ailleurs, beaucoup a été fait en la matière, sous l'action d'ailleurs du gouvernement. Il y a eu ce qui s'est passé aussi, par exemple, regardez, de très concret sur les pensions versées aux femmes par une caisse commune, alors qu'elles étaient soumises à des aléas de versement par leur ex-mari auparavant. Tout ça, c'est des sujets ultra concrets qui ont beaucoup progressé au cours des 5 ans. Mais il y a tant à faire à l'échelle de la France et d'ailleurs de l'Europe et du monde, que c'est normal que ça reste un grand thème du deuxième quinquennat. Marine Le Pen. En quoi elle est plus féministe qu'Emmanuel Macron ? Parce qu'Emmanuel Macron, il a que Marlène Schiappa. Marine Le Pen, elle a un projet... Ça va faire plaisir à Mme Moreno, qui est ministre actuellement. Oui, qui ne sert pas grand-chose, il faut bien dire. Et d'ailleurs, qui garantisse plus les droits de certaines femmes plutôt que les droits de toutes les femmes. Mais Marine Le Pen, elle a à cœur d'assurer la première des libertés à toutes les Françaises. Déjà, la sécurité. Sécurité partout, tout le temps, dans les transports, dans la rue. Sécurité au niveau des droits, sécurité... pour pouvoir élever leurs enfants si elles le souhaitent, sécurité pour pouvoir s'émanciper, dont aussi l'interdiction du port du voile, hein, parce que ça permet aussi aux jeunes filles de s'émanciper. Donc la plus féministe, c'est évidemment Marine Le Pen. Qui est, selon vous, le plus sportif des deux ? Soyez objectif. Je suis objectif. Marine Le Pen n'a pas la réputation d'être une grande sportive, même si quand on est candidat à la présidentielle, il faut être sportif. Mais Macron, je ne sais pas s'il fait beaucoup de sport non plus. Foot. Oui, il fait du foot devant les caméras quand il marque un but vide. D'accord, mais. Là, il y avait un gardien. Oui, il n'a pas vraiment bronché quand même. Donc, c'est qui, selon vous ? Je pense que c'est Macron. Emmanuel Macron, vous l'avez sûrement vu en train de tirer son pénalty. On a ça en commun d'aimer beaucoup le football, mais il a surtout beaucoup encouragé le sport. N'oubliez pas que je suis ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la jeunesse et des sports. Et une de mes grandes priorités aura été, avec Roxana Maracineanu, de beaucoup plus marier le sport et l'éducation. Et regardez, le président a encouragé ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique par jour à l'école primaire, en promettant pour la suite, s'il y a un deuxième quinquennat, eh bien d'avoir la généralisation pour tous les enfants de l'école primaire de ces 30 minutes d'activité physique par jour. Vous jouez quel poste au foot ? Alors ça a évolué dans le temps, mais 7, puis 10, puis 6, et maintenant souvent gardien. Et Président de la République, il joue quel poste quand il joue ? Alors il me semble qu'il joue 10 ou avant-centre. D'accord. Il m'a semblé. Ça aurait pu être la doublette devant Blanquer. Oui, je veux bien faire par exemple 9 et 7, c'est bien. Selon vous, qui est le plus proche des animaux ? Emmanuel Macron, il a une vraie... Alors je sais que Marine Le Pen a beaucoup mis en avant les chats, mais il ne suffit pas de les mettre en avant, il faut aussi agir en leur faveur. Et la question de la souffrance animale est un sujet qui a beaucoup progressé. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, est particulièrement sensible et on a beaucoup d'actions, y compris avec les agriculteurs, pour faire bien évoluer ce sujet. Marine Le Pen, pas seulement parce qu'elle est éleveuse de chats et qu'elle en a, mais parce qu'elle est très attachée à la condition animale, au bien-être animal. Elle veut lutter contre toutes les souffrances animales. Elle a un vrai projet pour ça.
inscrire notamment, intégrer les animaux dans la Constitution, c'est extrêmement fort. Créer un défenseur des droits des animaux, interdire l'abattage sans étourdissement, enfin tout ce qui fait du mal aux animaux. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, il faut que l'État saisisse de ça. Et Marine Le Pen, elle a cette sensibilité-là. Selon vous, qui est le plus français ? Sur ce sujet, je ne dirais pas qu'il y en a un plus que l'autre, parce que par respect de la démocratie, bien sûr que ma tentation c'est de vous dire Emmanuel Macron, puisque c'est pour moi le meilleur candidat. Mais je crois que ce qui doit nous caractériser, c'est de nous respecter les uns les autres. Et je combats les idées de Marine Le Pen, elle est, je pense, quelque chose de très dangereux pour la suite de la vie de la France, parce qu'elle nous mène vers l'aventure dans le pire sens du terme. Mais je pense que ce serait justement jouer un mauvais jeu que de dire il y a les bons Français, les mauvais Français, les plus Français, les moins Français. Non, elle est française sans aucun doute, il est français sans aucun doute. Nous sommes des citoyens de France par la grâce de la République, de notre histoire aussi, dont nous sommes les héritiers. Nous devons transmettre une belle France dans les temps qui viennent, qui doit être une France de concorde en particulier. Le plus français des deux, Marine Le Pen. Non pas parce qu'Emmanuel Macron est moins français d'un point de vue juridique, mais parce que pour lui, la France n'existe plus. Pour lui, c'est l'Europe fédérale, c'est le monde, c'est la globalisation. Marine Le Pen, elle, c'est la nation, le peuple français, d'abord. Et elle veut protéger les intérêts, la sécurité, sa souveraineté du peuple français, d'abord. Ce que ne veut plus Emmanuel Macron, puisque lui est passé à autre chose. Merci beaucoup, M. Blanquer, d'avoir répondu à nos questions. Le 24 avril, il faudra aller voter. Pourquoi ? Parce que le vote, c'est fondamental pour la démocratie. C'est simple de dire ça. Mais ça reste plus fort que jamais. La démocratie et la République, ce ne sont pas des choses qui nous sont données par Dame Nature. C'est des choses qui sont construites par l'être humain. C'est le produit de siècles d'histoire, de combats pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Et si à chaque génération, ce combat n'est pas renouvelé, eh bien, elle s'affaisse et même elle s'effondre. C'est ce qui se passe malheureusement dans de nombreuses parties du monde. Et donc, on doit se battre pour la démocratie, bien sûr, et ça commence par le fait d'aller voter. On ne peut pas se plaindre de toute une série de sujets et ne pas aller voter. Il faut aller voter pour la France, il faut aller voter pour soi, il faut aller voter pour l'avenir de nos enfants. Tout est politique dans la vie, en fait. À partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, en fait, tout est régi par la politique, nos factures, nos déplacements, notre sécurité. Donc, il faut mettre les bonnes politiques à leur place et il faut voter pour celles et ceux, surtout celle, Marine Le Pen, qui assurera la sécurité et la prospérité du peuple français. Le 20 avril, il y aura le débat. Oui. Numéro 2, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un pronostic, comment vous le sentez ? Je pense que ce débat va être intéressant parce qu'il va vraiment révéler les deux personnalités. Marine Le Pen a beaucoup travaillé depuis 5 ans. Elle se prépare à ce débat. Elle se prépare à cette confrontation nouvelle avec Emmanuel Macron. Elle n'est plus la même qu'en 2017, incontestablement. Et alors, j'ai pas envie de dire voilà, qu'elle va l'écraser, qu'elle va le dominer, etc. C'est pas la question. Je pense que ce débat va permettre de montrer aux Français deux visions, deux projets, un projet qui est protecteur et un bilan qui est dévastateur. Voilà, donc je pense qu'ils vont le voir et ça va être tout l'intérêt de ce débat. Macron 1, Le Pen 0. Très bien. Merci à vous Jean-Michel Blanquer. Merci. Et bonne continuation. Et puis on verra où vous êtes après le second tour de l'élection présidentielle. Si vous êtes toujours en politique ou pas, a priori. En politique, oui, bien sûr, mais... Candidat peut-être aux législatives. Tout ça, nous le verrons, c'est vraiment pas la priorité du moment. J'aurai pas mon scoop, donc. Vous l'aurez après les présidentielles. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci.